Comment ça va? Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de l'imprimante 3D. Franchement, c'est un truc qui est super intéressant, je trouve. Ça peut être hyper utile comme hyper inutile. Et puis bah, let's go hein. Ah ouais. T'as un mec, il a fait une sorte de stream deck là. Mec, il a fait un stream deck avec Discord, Google. Alors je t'explique. Je valide mais à 1000%, mec, c'est incroyable. Putain, tu fais un puissance 4 en imprimante 3D, mec, c'est trop bien. Ça a dû prendre tellement longtemps à imprimer en plus, puisque les imprimantes 3D, c'est long. Hein. Ok, lui, il est énorme. Un socle pour les éponges, on dirait le corps de Bob l'éponge, c'est incroyable. Oh, ça, la vérité, j'aimerais trop l'avoir chez moi. Mec, c'est les meilleurs pots de plantes possibles. Ah ouais, le grinder pour le poivre, mais du turfu, mec. Oh, ton poivre, il finit en poudre, mec. Il y a des trucs, c'est tellement con, mais c'est tellement stylé. Oh, je valide à 1000%, mec, c'est bon. Un Boba Fett qui a été imprimé en 3D, mec. C'est tellement stylé. C'est quoi ça? Ah, j'en peux plus. C'est des topiqueurs. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mec, c'est des topiqueurs sur des corps genre musclore, le bail. Non, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pikachu, je ne le verrai plus jamais de la même manière. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais non. Il y a un mec, il a fait une sorte de ventilo, imprimé 3D et mécanique. Ah ouais, on vit pas sur la même planète, hein. Ça, c'est des trucs, c'est hyper stylé, genre, tu vois. Design un truc comme ça, mec. T'imagines le temps qu'il te faut et tout. Mais c'est tellement innovant, je trouve, c'est hyper stylé. J'suis mort, le mec. Il a fait un bol. Qui ne se renverse pas. Oh, c'est incroyable. Et genre, le mec, il s'en sert pour des chips. Ah, c'est pas possible. Oh. Ok, lui, je sais que je vais l'aimer. Celui-là, là. Oh, merde. C'est incroyable. Tu commences à le décap. C'est le moment le plus incroyable de l'année. Et après, c'est le moment le plus incroyable pour une bière. Genre, vraiment, il est incroyable. Ce mec a fait un socle pour ses enceintes, parce qu'elles étaient pas assez hautes. Mec, c'est trop bien. Genre, le mec, il l'a custom de la façon qu'il voulait, la taille qu'il voulait. Et vas-y, tu vois. Genre, ça, c'est trop pratique, c'est trop cool. Pareil, là, il a fait une poignée plus grande pour les tournevis, parce que vas-y, c'est trop petit et ça tue les mains. Et ceux qui utilisent des tournevis, on est d'accord, ça tue les mains, ce bail. Ah, putain, c'est stylé. Attends, du coup, ça, c'est un distributeur de piles pour son casque. Oh, je suis mort. Eh, en vrai, c'est hyper stylé. Tu sais, on a tous dans la cuisine ou genre dans un coin du salon un bol qui regroupe toutes les piles usées que t'as. Pire, on a les deux dans le même bol. C'est exactement le genre de bail que je kiffe. Le mec a fait une prévisualisation avec l'imprimante 3D. Parce que moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je fais pas mal de choses artistiques. Je fais de l'art. Déjà, mes études sont dans l'art. Donc à partir de là, tu vois, t'as compris. Mais moi, je fais aussi des décors à la main pour des figurines, pour plein de choses. Et ça, j'avoue que ça peut être trop bien pour avoir une pré-idée, tu vois, de où va quoi, comment ce sera, quelle taille, quelle couleur, etc. Et du coup, là, je trouve que c'est hyper bien. Là, en gros, le mec, il a fait ça. Il a fait un plan de sa maison qu'il veut rénover. Donc comme ça, il a une idée déjà de comment ce sera, etc. Franchement, je trouve ça trop cool, moi. C'est hyper bien fait. Vous savez les cinématiques où tu vois que la caméra elle se rapproche très lentement ou elle s'éloigne très lentement de toi? Bah c'est exactement ce que le mec a fait ici. En imprimante 3D, mais waouh. C'est incroyable, genre il y a des gens, ils designent ça, ils le designent. C'est un truc de fou je trouve. Ça tu connais dans l'avion, ça j'avoue que dans l'avion, ça j'achète hein. Je te jure que j'achète. Ils ont imprimé la route arc-en-ciel, waouh. Ça c'est fort. Oh. Oh là 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 là, le temps de fou. Heureusement qu'ils ont plusieurs imprimantes, parce que punaise, ce serait hyper long. Je pense que le design n'est pas trop long, puisque c'est un copier-coller, on va pas se mentir, hein, le design de chaque brique. Mais après, le temps d'imprimer le tout, je pense que c'est extrêmement long. Impressionnant. C'est impressionnant. Hang on, let him back up the truck. C'est énorme. C'est énorme, en plus le type il se marre et tout, genre vraiment c'est trop bien.
Mais c'est hyper stylé. Elle est diffusée sur chaque filament et du coup on dirait le mouvement parce que waouh, c'est incroyable, c'est hyper cool. Oh putain, c'est quoi ce Magikarp? Le Magikarp, mais là lui il utilise pas trompette, hein. Lui il utilise Giga Impact, mec, c'est sûr. Ah bah tout à l'heure on en parlait, là je voulais le voir en couleur. Ok, celle-là elle est énorme. Ah j'en peux plus. C'est en référence, tu sais, à un moment, je sais pas pourquoi. Tu sais que la vérité, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais en 2020, au début du Covid, les gens ils ont commencé à paniquer et à acheter full PQ. On sait pas pourquoi. Et du coup, genre le truc, c'est un emblème de... C'est pour se rappeler de 2020 et genre vraiment, en vrai, mec, il y a des gens, ils vont se rappeler de 2020 vraiment à cause du PQ, hein. C'est incroyable, mec. Bon, et bien voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'est un truc qui est bien spécial, l'imprimante 3D. Dans 10 ans, ça va défoncer, ça va être un truc de malade. J'aimerais bien en voir davantage, mais sur des échelles, mais beaucoup, beaucoup plus grosses. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, laisser un commentaire si vous le voulez, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Slimy.